Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo premier démarrage de la TBS Tango 2. Donc dans cette vidéo on va aborder les premiers paramétrages de la radio, donc le calibrage des sticks. On va aborder également les premiers réglages de la radio et les premiers réglages du modèle. Donc on va pas s'attarder sur des points précis, on va faire un paramétrage d'ensemble et de base pour toute la radio afin qu'on puisse s'en servir le plus rapidement possible. Alors déjà, pour commencer, lorsque vous allumez votre radio, il vous demande de calibrer les sticks. Alors le calibrage des sticks est assez capricieux, comme vous avez pu le lire dans l'article de MotarGeek. Quand vous poussez les sticks en fond de course et que vous les appuyez, ça fausse, on va dire, les valeurs dans la radio. C'est-à-dire que à la place d'être à 2000, comme on a pour habitude, là si je suis au maximum, eh bien, ça va osciller un petit peu entre 2005, 2000, ça ne va pas être précis. Et on va avoir des points, des endpoints qui sont un petit peu faussés. Donc le but, ça va être de faire la calibration des sticks sans forcer et les emmener là où ils nous le demandent. Donc, on va régler les deux sticks en même temps. Vous pouvez régler le stick gauche et le stick droit. Moi, je vais faire le réglage entier. Tout simplement parce que ça va plus vite et aussi parce que les faire un à un, c'est pratique quand on a un petit souci. Mais là, on a besoin de régler les deux sticks, les deux gimbals, pardon. Alors, pour commencer, on démarre. Il nous demande de centrer les sticks. On les pousse au maximum. Alors, c'est assez simple, hein. Il suffit de suivre ce que nous dit la radio. Là, vous voyez, je lâche et je pousse au maximum. Disons que je ne viens pas forcer la course domestique. Là, il est au minimum. Là, il nous demande de les remettre au centre. Et là, on a une manip qui est assez spéciale. C'est le mouvement en plus. Alors le mouvement en plus, c'est simple, hein. Moi je fais comme ça. Je pousse en haut. Je tire en bas. Et après, je fais les opposés en essayant de pas trop jouer sur les directions haute et basse. Et là, je refais une deuxième fois en haut, en bas. Et la calibration est terminée. Alors normalement, de cette façon, vous avez très peu de chances d'avoir des soucis sur votre yo, parce que on s'en est rendu compte justement lors de la calibration, c'est sur le yo que ça a tendance à poser problème. Alors pour vérifier, ce qu'on peut faire, c'est aller directement dans Output, et là on peut regarder donc sur le yo. Voilà, on peut regarder sur le yo qui s'amuse pas trop à gigoter. Donc là, il y a une petite valeur. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. En fait, le souci, si vous faites mal votre calibration, vous voyez là, quand je suis au gaz au minimum, il est à 1500. C'est normal, le yo est toujours au centre. Quand je monte, il a tendance à passer à 99, 98. Ça va. Encore, la valeur ne bouge pas trop. Et quand on est au maximum, il est plutôt à 501, 1501 ou 1500. Donc ça bouge pas trop, j'ai déjà eu des valeurs au début, lors de mon premier calibrage, j'ai déjà eu des valeurs qui bougeaient de 5, donc ça allait jusqu'à 1495 et 1505, et là c'est vraiment un peu plus dur à corriger. Donc on va retourner au début. Alors petit rappel pour la navigation dans les menus. Vous sortez du menu, on rentre dans un menu et on navigue dans les pages de ce menu. Là, vous faites naviguer de haut en bas ou vos réglages tout simplement. Quand vous appuyez une fois, vous validez. Et ici sur la page d'accueil, si on appuie deux fois, on vient modifier les trims.
En parlant de ces trims, on va aller les désactiver parce que nous, on n'en a pas besoin et on veut surtout éviter de les modifier par accident. Donc, on va faire dans un premier temps les réglages de la radio. Donc, pour les réglages de la radio, on maintient appuyé sur le bouton menu et là, on est dans les paramètres de votre radio. Donc là, bien sûr, je vous invite à régler la date et l'heure. La calibration de la batterie, on n'y touche pas. La batterie range, donc ça va être votre affichage que vous avez ici. Ça représente en fait votre témoin de batterie. Donc pareil, je vous invite à ne pas y toucher. Après, le son, moi, ces petits bips, ça m'agace. Donc je vais le mettre en OK. Donc là, on n'aura plus que les alarmes. Et donc après ça, vous pouvez régler forcément la puissance de votre bip, le type de bip, si c'est bip long, bip court. Moi, je n'y touche pas. On descend, alarme. Donc l'alarme low battery, moi, je voudrais l'avoir plutôt, là, elle est affichée à 3.5. Moi, je vais la mettre plutôt à 3.7 parce que j'estime que 3.5, c'est déjà très très bas. L'alarme d'inactivité 10 minutes, je trouve ça pas trop mal. Au bout de 10 minutes, la radio commencera à vous mettre des annonces disant que votre radio est toujours allumée, un peu comme sur la Taranis. Hein. Après, memory low, sounds off, RSSI shutdown, donc ça on garde, ça reste des alertes. On continue, le GPS on s'en sert pas, et là on arrive sur quelque chose qui nous intéresse. C'est le RX Channel. Donc là, vous voyez, on est en RETA. RETA, c'est vraiment pas le type d'ordre de canal qu'on a pour habitude d'avoir. Donc là, on va aller mettre TAR. Donc on va mettre TAR et du coup, il va falloir recréer un modèle pour qu'il nous mette par défaut cet ordre de canaux. Donc on sort. Une fois qu'on est sorti, on maintient le bouton de la molette. On fait modèle select, on maintient le bouton, on crée un modèle, on va créer un modèle multi. Là, assign canal, donc le canal 1, ça va être le throttle. On peut changer de page. Le roll, ça va être le canal 4, ici. Après, on change de page. Le pitch, le canal 3. Le yo, ça va être le canal 2. Ensuite, arme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, le bouton armé, ça va être celui-ci. Donc, on sélectionne avec la molette. On va sur SB parce que ça correspond à mon inter numéro B. Je me suis trompé. Alors, cet appui sur la molette n'est pas simple au début. Hein. C'est une question d'habitude. Le mode, moi, je vais mettre l'inter numéro C. Voilà, on change de page. Le beeper, je vais mettre l'inter numéro A. Il y est déjà, donc c'est très bien, il va rester comme ça. Là, on vous fait un petit récap. Et si ça vous convient, du coup, on fait un appui long sur la molette et le modèle est créé. Du coup, il vous le sélectionne automatiquement. Vous pouvez le voir avec le petit astérix. Et du coup, on va aller supprimer l'ancien modèle. Tac. Alors ici, vous pouvez le voir qu'il va vous mettre Delete modèle 102. Donc 102, c'est celui qu'on vient de créer. C'est une erreur. Il ne va pas vous Delete le modèle 102. Il va vous Delete le modèle que vous êtes en surbrillance actuellement. Donc j'espère que ça va être corrigé avec les prochaines mises à jour. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas supprimé le modèle que vous venez de créer. Alors, une fois qu'on est dans ce modèle, si vous voulez, je vais faire vite fait une petite parenthèse, vous pouvez créer des catégories. Et dans ces catégories-là, en fait, vous pouvez tout simplement y mettre des types de modèles. Donc par exemple, là, vous avez vos modèles, pour vous donner un exemple. Si vous allez dans modèle, vous pouvez écrire, vous pouvez le renommer et l'appeler par exemple 5 pouces. Vous avez tous vos modèles 5 pouces. Là, vous pouvez mettre simulateur. Vous allez avoir tous vos modèles de simulateur. Et vous pouvez même vous faire une catégorie, je ne sais pas, 3 pouces par exemple ou Tiny Whoop et mettre tous vos modèles de Tiny Whoop. Donc, je trouve ça pas mal. Ça permet de ranger un petit peu les modèles. Ça évite de tout faire défiler quand vous en avez un certain nombre. Alors, on va rester sur le modèle 102. Et on va aller faire les réglages de ce dernier. Donc du coup, on va faire un appui sur menu et on va passer les pages.
Alors, ça, c'est si vous voulez mettre des timers, ensuite timer 2 également, timer 3. Là, c'est les alertes des sticks, donc c'est à vous de les régler si jamais vous voulez des alertes dessus. Alors, pour tester, c'est assez simple, le but c'est d'éteindre la radio. Vous allez voir si vous mettez des alertes. Là, pour moi, ils sont en position désarmée, ils seront en position désarmée. Donc, quand j'allume, s'il me met des alertes, il faut que j'aille modifier les internes. Donc là, il m'a mis aucune alerte. Donc, c'est bon. Si jamais vous aviez des alertes, il vous suffit juste de venir ici, de choisir quel switch vous dérange et de le modifier. Maintenant, on va passer à la page 2. Donc, Heli Setup, c'est quelque chose que l'on coche normalement sur Compagnon, qu'on désactive tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de cette page. Après, Flight Mode, on s'en sert pas non plus. Inputs, on s'en sert pas spécialement pour le moment. Malgré tout, on va aller faire un tour. Si vous voulez, si vous créez comment dire, une courbe spéciale, vous pouvez venir l'ajouter dans cette section-là. Moi, pour le moment, je n'y touche pas. On va aller dans Mixer. Donc, dans Mixer, là, on va avoir quelques petites choses à faire. Donc, déjà, on va cocher Trim pour désactiver les trims. On va faire ça pour chaque axe. Edit. Trim. On revient en arrière. Edit. Trim. Et pareil pour le roll, on désactive les trims. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer à la page d'après. Et ici, comme vous pouvez le voir, donc vous avez les fameuses valeurs qui montent à plus de 2000 et moins de 2000. Alors, c'est pas très lisible, gris sur, enfin blanc sur gris à la caméra. Mais voilà. Donc, c'est là qu'on va devoir intervenir. Lorsque vous allez paramétrer, enfin synchroniser votre drone, binder votre drone, on va utiliser les bons termes. Lorsque vous aurez bindé votre drone et que vous allez aller sur Betaflight ou sur le GUI KISS, alors c'est ici que vous allez intervenir pour régler vos fins de course. Si on fait un petit exemple, là par exemple, je fais Edit, je suis sur le yaw, là vous le voyez bien défiler. Sur le yaw, par exemple, ce que je peux faire, c'est que là, on voit qu'il gigote un petit peu. Si vous réglez la subtrim, eh bien, vous allez régler le point central. Si vous réglez le minimum, vous allez régler forcément la partie basse de votre stick. Et le maximum, ici, vous allez régler la partie haute de votre stick. Donc ici, vous avez des valeurs en milliers, donc comme on a pour habitude d'avoir. Donc 1000, 1500, 2000. Le truc, c'est qu'il y a un petit souci sur la radio, on ne peut pas encore le choisir. C'est que là, quand vous faites défiler les pages, là, vous avez des valeurs en centaines. Alors ici, en fait, ce sont des pourcentages. Donc, vous ne faites pas avoir avec les valeurs qui sont affichées ici. Le mieux, c'est de pacifier et de régler directement dans Outputs. Là, pareil pour le petit souci sur la page. La page d'accueil de la Tango, il y aura une mise à jour qui, je pense, du moins j'espère, viendra corriger ça et nous permettra de choisir si on veut des pourcentages ou la valeur brute. Alors, pour continuer sur ça, on va procéder donc au bind. Donc pour bind, c'est simple. Déjà, on va prendre un drone, donc procéder au bind. Alors, ce Mister Steel, vous avez toujours pas eu la vidéo de réglage, tout simplement parce que j'ai eu énormément de soucis avec les ESC FETEC. J'ai eu un modèle défectueux. Ensuite, je suis passé sur un modèle KISS qui, malheureusement, lui aussi était briqué à l'arrivage. Donc là, j'ai remis un nouvel ESC KISS tout neuf. Et j'espère pouvoir terminer cette chaîne le plus rapidement possible. Donc, c'est la chaîne sur la série, pardon, sur le Mister Steel. Alors, petite parenthèse terminée. On va faire donc le bind du Crossfire. Donc, pour le binder le Crossfire, c'est assez simple. Il vous suffit d'appuyer sur Menu. Une fois que vous êtes sur Menu, vous allez dans Crossfire Menu.
vous choisissez Tango 2 XF. Là, on reste en région open. Moi, je suis en 250 milliwatts, dynamic power. La frequency, on n'y touche pas. Et le reste, on n'y touche pas non plus. Donc là, vous avez une petite option bind. Donc le mieux, c'est de l'activer. Il vous affiche binding. Là, il clignote en vert. Ça veut dire qu'on peut lancer la procédure de bind sur notre drone. Donc, pour activer le bind sur le RX Crossfire, le récepteur sur le drone, c'est assez simple. En fait, là, vous pouvez le voir, il est allumé en rouge. Il y a un petit bouton qu'il va falloir venir appuyer. Je vais retirer ce strap, ça sera plus simple. Alors voilà, quand vous passez en procédure de bind, vous avez votre RX qui clignote en vert et ensuite en rouge. Maintenant, sur la radio, il vous annonce de mettre à jour votre RX, donc votre récepteur du drone. Là, dans ce cas, vous appuyez sur la molette et là, la mise à jour se lance. Voilà, donc là, il vous affiche que le bind est terminé. Il y a marqué binding complete. Donc maintenant, on peut aller vous pouvez aller directement sur votre GUI et régler directement. Attendez, tac, tac, tac. Régler les outputs. Alors, moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire cette partie-là. Le but, c'est vraiment de regarder sur le GUI. Lorsque vous poussez votre yo, déjà, vous regardez que tous vos axes correspondent, hein, bien sûr, que tous vos canaux soient bien réglés, que le throttle correspond bien au throttle, le yo au yo, etc. Ensuite, par exemple, bah, là, le throttle, il est en canal 1. Donc, si jamais vous avez un souci, comme je vous ai dit, vous vous mettez au centre. Si vous n'êtes pas à 1500, dans ce cas-là, vous baissez ou vous montez la subtrim. Mais avant de commencer à régler le centre, ce qui est important, c'est de régler les endpoints, donc les fins de course. Il faut que quand vous êtes au minimum, vous soyez à 1000 et au maximum à 2000. Si jamais au maximum, vous êtes au-delà de 2000, eh bien, vous descendez votre maximum ici dans la radio jusqu'à tomber à 2000 tourons. Et pareil pour le minimum et ça sur chaque axe. Après, bien sûr, ben, il faut régler votre bouton d'armement, votre beeper et votre turtle mode par exemple ou votre mode stabilisé. C'est à vous de voir. Bon, je crois qu'on a fait les bases. Si jamais vous voulez retrouver le RSSI, enfin la télémétrie du moins, c'est dans l'onglet télémétrie, la page 12. Ici, là, vous voyez, il m'a déjà tout détecté. Je peux même faire stop discovery pour qu'il arrête de chercher en boucle. Là, j'ai le RQLI, j'ai le RFMD2. Je vous mets la petite fiche d'ailleurs pour régler ces petites alertes que j'avais déjà fait avec la Taranis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous vous en souvenez. Et vous avez bien sûr ben, le current, donc la consommation des ampères en direct, la capacité utilisée. Donc là, on voit que j'ai déjà consommé 8 milliampères. D'ailleurs, il y a encore un petit bug sur la capacité, c'est-à-dire que quand on règle les alarmes sur la capacité, il switch automatiquement la source sur elevator, donc élévation, pardon, donc sur le pitch. Il va y avoir une mise à jour prochainement d'après TBS qui va en principe corriger tous ces petits bugs qui parviennent à droite et à gauche. En tout cas, j'espère que cette petite manip vous aura aidé. Et si vous avez des questions, des points que j'ai pas abordés lors du paramétrage du modèle, n'hésitez pas à me le faire savoir et on essaiera d'y répondre dans le blog, car je vais essayer de sortir l'article un ou deux jours après afin de répondre à toutes vos questions, ou bien dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'en était tout, c'était QNK pour Ouillard FPV, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.